Le deuxième type de devoir que je te présente, c'est le devoir ici qui est marqué présentation de ton animal. Donc, on voit que ce devoir a 15 points. Donc, je vais obtenir 15 points si ben, je peux obtenir jusqu'à un total de 15 points. On dit rédige un court texte sur ton animal préféré, ajoute une photo pour agrémenter ton travail. J'ai ici un document Word. Ça, c'est un document où je vais pouvoir écrire mon travail. Ça se peut quelquefois qu'il y ait aussi des ressources à consulter. Donc, pour les consulter, ils vont être listés ici. Je vais simplement avoir à cliquer dessus. Pour le document Word, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer dessus. Il va ouvrir Word à l'intérieur. Donc là, c'est la première fois que je l'ouvre, je vais dire fermer. Il ouvre à l'intérieur de mon document, dans Teams, en fait. Donc, si je veux le modifier, je vais devoir cliquer sur Modifier le document. J'ai deux choix. J'ai le choix de l'application de bureau. Si j'ai Word installé sur mon ordinateur, je vais avoir ce choix-là et je vais pouvoir ouvrir Word dans mon ordinateur. Sinon, j'ai modifié dans le navigateur. Le navigateur, c'est sur Internet. Donc, si je clique sur Modifier dans le navigateur, ça va m'ouvrir la page web. C'est Word Online qu'on appelle. Donc, c'est Word qui se retrouve en ligne. J'ai moins d'options que le Word sur l'ordinateur, mais j'ai quand même plusieurs options. Donc, je pourrais écrire mon travail. Donc, mon animal préféré est le panda. Et là, je continue, j'écris mon texte. On m'a dit d'ajouter une photo. Donc, je pourrais aller faire une insertion, d'une image. Je peux aller choisir une image sur mon appareil ou aller chercher les images en ligne. Je vais aller sur En ligne et je vais aller choisir, c'est un panda. Donc, je vais aller sélectionner panda. Je vais aller me choisir une image. On voit le crochet Creative Commons, c'est pour dire que les images sont libres de droit. Donc, j'ai le droit de les utiliser dans mes documents. Je vais faire insérer. J'ai maintenant mon image de panda que je peux redimensionner. Donc, mon document est prêt à être envoyé. Il s'enregistre. On le voit ici, enregistrement en cours. Donc, on va attendre qu'il soit enregistré. Maintenant qu'il est enregistré, c'est parfait. Donc, je pourrais aussi préciser que c'est de Julie. Donc, je vais l'écrire ici. De Julie. Donc, c'est mon nom. Et il s'enregistre encore. Je vais attendre un petit peu. Il va y avoir enregistrement. C'est enregistrement court. Enregistré. Parfait. Je peux fermer mon document. Donc, j'appuie sur le bouton fermer. Il va rester maintenant à envoyer mon devoir. Donc, mon devoir ici, présentation de mon animal préféré. Si je retourne sur devoir à faire, juste pour aller le revoir, j'ai mon devoir qui est ici. Donc là, il était correct. Et je peux aller appuyer sur le bouton remettre.